ألقى وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أجل في فرج وليك القائم المنتظر المهدي صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. On est toujours dans le quelques mots en arabe. Et le mot en arabe, c'est très important pour nous. Parce que ma'arifat al-Qur'an al-Majid, ma'arifat al-Du'a et ma'arifat notre hadith, ça se dépend de ma'arifat langue arabe. Aujourd'hui, on va prendre quelques mots aussi en arabe. Le premier mot pour aujourd'hui, c'est le mot Adhubab. Adhubab, soit on peut dire autre façon, c'est Dhubabun. Dhubabun. Ça juste pour savoir qu'en arabe on peut écrire comme ça al-dhubab, soit la deuxième façon dhubabun. La première façon c'est avec alif lam, mais il n'y a pas tanwin à la fin, double ou à la fin, non, c'est interdit. Soit il n'y a pas alif lam ici début, mais à la fin il faut mettre tanwin, le deux ou deux pêches. Al-dhubab, c'est dhubabun. Dhubabun en arabe, si on traduit en français, c'est mouche. Ça, cela veut dire dhubabun. Dans notre Saint Coran Majid, je vais vous donner quelques ayats à propos de cet mot-là, mot al-dhubab. بسم الله الرحمن الرحيم ست آيات من سورة الحج. Vous pouvez regarder cette sura, سورة الحج آيات numéro 73. سورة الحج آيات numéro 73. الله تبارك وتعالى notre bon Dieu a dit وإن يسلبهم الضباب شيئا La yastankidhuhu minhu. Ici, le mot dhubab dedans, dans cette ayat-là. Je répète l'ayat. Wa in yaslubuhum dhubabu shay'an, la yastankidhuhu minhu. Cela veut dire si la mouche leur enlève quelque chose, ils ne peuvent la lui reprendre. Ça, c'est le mot al-dhubab dans notre Coran Majid. Al-dhubab, soit dhubabun. Il y a Autre ayat, Allah tabarak wa ta'ala, il utilise le mot dhubaban. Ça, c'est façon de parler, mais le ma'ana, la traduction, c'est pareil. Par exemple, ici, dhubabu ou, ici, dhubabun, double ou, mais ici, dhubab, cela veut dire dhubaban. Toujours mouche. Même ayat, Surat Al-Hajj, ayat 73, Allah tabarak wa ta'ala a dit « Inna alladhina tad'ouna min dounillahi lan yakhluqu dhubaban walawijtama'u lahu » Cette ayat aussi, dans les surat Al-Hajj, même ayat, parce que ayat c'est long, cette ayat-là, Surat Al-Hajj, ayat 73, Allah tabarak wa ta'ala a dit « Ce que vous invoquez au lieu de Dieu » ne peuvent créer une mouche. Ça, c'est le mot al-dhubab. Dhubab, cela veut dire mouche. Ça, c'est le premier mot pour aujourd'hui. Et le deuxième mot, c'est le mot
اللؤلؤ. اللؤلؤ سيت مولا طول الوقت on attend ce mot al-lu'lu'u parce que dans le Coran il majid beaucoup de ayat qui parlent le mot lu'lu' al-lu'lu' ou lu'lu'un c'est pareil lu'lu'un comme ça on écrit lu'lu'un soit al-lu'lu' al-lu'lu' la traduction de lu'lu' c'est quoi lu'lu' c'est le perle. En français, on dit perle. Al-lu'lu'. Allah tabaraka wa ta'ala, notre bon Dieu, dans le Coran Majid, il y a beaucoup d'ayat. Je vais vous donner une deux ayat, inshallah, à propos de lu'lu'. Cela veut dire quoi? Cela veut dire perle. Allah tabaraka wa ta'ala a dit إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لؤلؤاً منثوراً إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً. Cette ayat dans les sourates Al-Insan, sourate Al-Insan, soit sourate Al-Dahr, Al-Insan, sous Al-Dahr, ayat numéro 19, Allah تبارك وتعالى a dit إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً. Quand tu les verras, tu les croirais de perles éparses. De perles éparses. لؤلؤ, cela veut dire perle. Cet mot-là, dans le Coran et Majid, il y en a aussi. Ou autre ayat, يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Par exemple, يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Marjan. Dans Surah Ar-Rahman aussi, ayat numéro 22. Lu'lu', cela veut dire perle. Le deuxième mot pour aujourd'hui, c'est le mot lu'lu'. Le premier mot, c'est al-dhubab, cela veut dire mouche. Et le deuxième mot, al-lu'lu', soit lu'lu'un, c'est le perle. Et le troisième mot pour aujourd'hui, le mot en arabe, c'est pas difficile. Mais il faut apprendre parce que Coran et Majid en arabe, c'est bien quand même. On récite Coran et Majid tous les jours, mais petit à petit, on va prendre aussi les traductions, Inch'Allah, ma'ana. Plus que ça, le tafsir Coran et Majid. Parce que le tafsir Coran et Majid, ça, il faut connaître la langue arabe. Nous ici, Inch'Allah, bon, le temps, ça passe. Et un peu de temps pour nous, mais petit à petit, un, deux mots, trois mots maximum, on va prendre ça, Inch'Allah, tous les. Ici, notre dars. Alors, on verra comment ça se passe, Inch'Allah. Le troisième mot pour aujourd'hui, c'est le mot Labanoun. Mot Labanoun. Lam B. Noun, la ba noun, soit al-laban, c'est pareil, hein? Al-labanou, soit labanoun avec double ou tanouin, soit al-labanou, ça c'est pareil, c'est la même chose. Al-laban, cela veut dire quoi? Laban, ça cela veut dire lait, cela veut dire lait en français, lait qu'on boit tous les jours, on mange ça tous les jours. Ça, cela veut dire « labanoun ». Dans notre Coran et Majid, « Bismillahirrahmanirrahim », cette ayat-là, dans les sourates Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, surah Muhammad, ayat numéro 15. Ayat numéro 15, Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit à propos de sept mots-là, mot « labanoun »,« fiha anharun » من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يتغير طعمه. Ici Allah تبارك وتعالى utilise le mot لبن لبن لبن. Cela veut dire la description du paradis promis à ceux qui sont pieux. Ça c'est la description du paradis. C'est le promis, c'est qui pour Mouminine, surtout Mouminine.
il y a la deux rivières d'eau incorruptible, deux rivières de lait aussi. Allah tabarak wa ta'ala, ça c'est mu'jizé ilahi. Dans le jour de jugement, yawm al-qiyamah, dans le paradis, beaucoup de choses là-bas. Et rivières du lait aussi. Ça c'est ajib, c'est mu'jizé ilahi ça. Mais ça c'est spécial promis pour les mu'minin et pour les muttaqin. Ça c'est spécial pour mu'minin et muttaqin. Allah tabarak wa ta'ala, il utilise le mot labanun, soit al-laban. Ou le deuxième ayat aussi dans les sourates al-Nahl. Vous pouvez regarder cette sourate là pour suivre. Al-Nahl, sourate al-Nahl, ayat numéro 66. Allah tabarak wa ta'ala aussi, il utilise le mot labanun, du lait. Allah a dit nuskikum mimma fi butunihi min bayn farthin wa damin labanan khalisan. Ici aussi le mot laban, cela veut dire lait. Ça c'est le troisième mot pour aujourd'hui, le mot laban. Labanun, soit al-laban, cela veut dire du lait. Et le quatrième mot c'est quoi? Le quatrième mot, c'est le mot simple. Quand on parle l'arabe, presque on utilise sept mots-là. Le mot mata, mim, ta, alif maksour. Alif maksour. Alif maksour, le forme comme ya, mais il n'y a pas de point sous les lettres. Ça, c'est mot mata. Mata, dans notre Coran et Majid, c'est beaucoup ces mots-là. Mot mata, mim, ta, alif, maksour. Comme ça, on écrit mata. Dans le surat Yassin, par exemple, le surat Al-Mulk, il y a beaucoup de surats dans le Coran et Majid. Allah, tabarak wa ta'ala, il utilise le mot mata. Mata, cela veut dire quand. Quand. On va faire question pour quelque chose, par exemple, on dit mata. Exemple, dans notre Coran et Majid, surah Yassin. Surah Yassin, ayat numéro 48. Allah tabarak wa ta'ala a dit mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin. Cette ayat-là, mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin. Et ils disent, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, à quand cette promesse de résurrection, si vous êtes vrai, si vous dites vrai, par exemple, mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin. Ça, c'est pour le kuffar mushrikin. Ils disent au Rasul Khuda que le jour de jugement, c'est quand? Jour de jugement, c'est quand? Si vous êtes, si vous dites, par exemple, la vérité, c'est quand ce jour-là? Ce jour de jugement. Ça, c'est le mot mata. Et dans le sourire Al-Mulk aussi, mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin. Il y en a beaucoup de ayat dans notre Saint Coran et Majid à propos de ces mots, mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin, le mot mata. Et le deuxième ayat, par exemple, pour cet mot-là, mot mata, cela veut dire quand. Mata, quand. Si on écrit en français, c'est comme ça. Deuxième ayat dans les sourates Baqarah, Al-Baqarah, ayat numéro 214. Allah tabarak wa ta'ala, il utilise le mot mata aussi. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mata Nasrullah. À quand les secours de Dieu, par exemple, Mata Nasrullah, parce que Nasrullah, cela veut dire secours de Dieu. Mata Nasrullah, Allah tabarak wa ta'ala, il utilise le mot Mata aussi. Mata, cela veut dire quand en arabe. Ça, c'est très important aussi. Après, quand on parle l'arabe, presque, on va faire question pour quelque chose, par exemple, on utilise le mot Mata. Bon, quatre mots pour aujourd'hui. C'est le premier mot.
qu'on a pris le mot al-zubab. Al-zubab, je répète, cela veut dire mouche. Et le deuxième mot, c'est al-lou-lou. Al-lou-lou, cela veut dire perle. Et le troisième mot, c'est labanoun, du lait. Et le quatrième mot et le dernier mot pour aujourd'hui, c'est le mot quand, mata en arabe, mim, ta, alif, maksour. Ça suffit, inshallah, pour aujourd'hui, pour la prochaine dars. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا